Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mode à la mode. Aujourd'hui, une nouvelle monoplace passée au crible, puisque en ce dimanche, vous allez avoir droit à deux vidéos du mode à la mode, une ce matin et une cet après-midi, puisque j'ai eu le plaisir de recevoir de la part de Race Team Studios leurs deux derniers modèles produits pour Assetto Corsa. Nous sommes évidemment sur PC et au volant pour vous présenter cette voiture. Il s'agit de la Formula RS4, je vais y arriver, avec donc la Formule 4 britannique, la Formule Ford évidemment. Alors on reconnaît tout de suite le châssis par son design de sa coque, de sa monocoque, mais bien évidemment je rappelle que ça n'est pas sous licence, c'est-à-dire que ce sont des monoplaces inspirées comme les anciens modèles des compétitions réelles. Il y a eu d'abord la Formula RSS hybride qui reprenait la réglementation de 2017 en Formule 1, la Formula RSS 2 qui reprenait le GP2 devenu depuis Formule 2, et enfin il y a eu la Formula 79 qu'on découvrira cet après-midi. Alors que je sors un petit peu large ici du côté de Churchleben, voici donc la présentation de cette voiture. Il s'agit d'un mode donc payant, il vous en coûtera 3,99€ pour un châssis. Il n'y a qu'un modèle disponible et 19 livrés, des livrés qui sont très simples, très basiques, voire complètement à désinstaller. Je vous ai laissé le mode vanilla, c'est-à-dire que je n'ai pas installé de skin supplémentaire pour vous montrer que eh bien, c'est très très pauvre à ce niveau-là, mais que la communauté eh bien, est déjà en train de développer ce qu'il faut pour vous proposer de nombreux skins. Alors on va faire un petit peu d'histoire si vous le voulez bien dans le début de cette vidéo avec l'histoire de cette Formule Ford qui est née tout d'abord dans les années 60, en 67 exactement, en Angleterre avec comme moteur un moteur Kent bien sûr qui a longtemps équipé ses petits bolides, et c'était un petit peu eh bien, la première classe où il fallait passer après ces années en karting. Bon nombre de pilotes de Formule 1 célèbres y sont passés. Ne citons par exemple Ayrton Senna qui a fait de nombreuses années en Formule 1600 à l'époque. Même on peut l'appeler Formule Ford 1600, il y a eu la Formule Ford 2 litres également. Et c'était une formule qui fonctionnait extrêmement bien, à l'image un petit peu de la Formule Renault dans ses plus belles années. Et bien dans les années 70 et 80, il y avait énormément de châssis qui étaient disposés dans le monde entier et on avait des championnats nationaux un peu partout, à tel point que dans les années 90, ils ont finalement décidé de créer un championnat d'Europe qui reprenait les meilleurs pilotes de chacun des pays pour créer un championnat d'Europe de Formule Ford. Depuis, les années ont passé, ça a un petit peu perdu de son charme et depuis 2012, c'est une nouvelle ère avec le moteur EcoBoost, le petit moteur 3 cylindres que vous connaissez certainement puisqu'il équipe notamment les modèles Fiesta chez Ford. Et donc, c'est une très très belle idée de promouvoir ces voitures et ces moteurs via cette petite formule parce que c'est très fun à conduire, c'est très bon pour le commerce de Ford et bah, on y découvre des talents. Malheureusement, cette voiture a défrayé la chronique puisqu'il y a à peu près un an de cela, en début de cette saison 2017, vous n'êtes pas sans savoir que le pilote britannique Billy Monger a eu un grave accident à Donington, ce qui lui a coûté malheureusement ses deux jambes. Depuis, eh bien, les choses ont bien évolué, je vous invite à aller chercher, si vous n'êtes pas au courant, ce qui s'est passé pour ce jeune Billy sur les réseaux sociaux avec un crowdfunding qui a été fait pour lui récolter les moyens de revenir derrière un volant avant la fin de saison. Donc vraiment une très très belle histoire autour de cette voiture et je pense que c'est aussi ce qui a précipité la création de ce modèle puisque le premier skin disponible sur S-Department est évidemment celui de Billy Monger. En tout cas, c'était une belle preuve aussi de la solidarité et du monde du sport auto qui pouvait s'allier en cas de drame comme celui-là. Voilà, la parenthèse étant terminée, passons maintenant directement au mode, alors que vous avez droit, je le rappelle, à des circuits britanniques pour la présentation aussi de ce mode, puisqu'après tout, ça reste une formule anglaise. On est ici du côté de Castlecombe, un autre circuit, un petit circuit britannique, pas super connu, à moins que vous soyez fan du BTCC, mais c'est un très très bon circuit.
Après ces quelques instants, à vous laisser profiter du son de cette monoplace. Vous avez pu le constater en vue on-board et en vue extérieure. C'est plutôt réussi et ça ressemble vraiment à ce qu'on peut suivre si on regarde cette Formule Ford en Angleterre. Au niveau de la réalisation 3D, la voiture est parfaite. Je dis bien parfaite, il ne manque rien. À tel point que la caméra embarquée, qui est une GoPro, une mini GoPro sur l'arceau, en tout cas sur la boîte à air de la voiture, est également disponible dans les caméras proposées. C'était tout à l'heure le cas sur la première voiture. Franchement, c'est du tout bon boulot. Et on s'y habitue parce que Race Team Studio est sur Assetto Corsa, pour moi, le meilleur, avec peut-être ACFL et son mode 2017, le meilleur créateur de monoplace actif en ce moment sur la plateforme. C'est-à-dire que quel que soit le modèle sorti, il n'est sorti une fois terminé uniquement. Et c'est vraiment très agréable de se dire que si on met la main au portefeuille pour 3,99€, eh bien on va avoir une voiture qui certes sera propre au niveau du son, propre au niveau de l'image et surtout propre au niveau du FFB. On y reviendra plus tard. J'invite votre attention sur les roues, l'intérieur de chacune des roues avec le moyeu, les câbles de frein, le cockpit avec les détails, les autocollants qui attestent de la FIA, les plaques, le volant, ses couleurs, son HUD, les gants, tout est parfait. Alors ça n'est pas simplement entre guillemets du brossage dans le sens du poil, c'est vraiment que moi qui suis fan de ce genre de petite monoplace, j'aime beaucoup la Formula Tatus, j'aime beaucoup la Formule 3 Euro, j'aime beaucoup cette petite voiture parce que elle a du punch, elle a du son et visuellement elle envoie du lourd. La seule chose que j'attends maintenant, eh bien, c'est que l'équipe de Race Department Seattle et nous sorte un vrai skin pack pour avoir une British F3. Je suis même prêt à faire une saison tellement j'adore cette voiture. Au niveau de la répartition des freins dans le comportement, c'est aussi quelque chose de très précis, mais avec l'usure des pneus, l'arrière essaie de passer devant, il faut changer votre répartition. C'est très intuitif, c'est très agréable. Les caméras sont vraiment bien positionnées pour ressentir la voiture en vue première personne comme en vue arceau. Franchement, c'est un mode qui pour moi est vraiment, vraiment complet et propre, réussi. Sincèrement, c'est vraiment quelque chose de convaincant. Alors après, est-ce que ça vaut 4€? C'est toujours la question. Et sincèrement, oui, parce que si vous avez déjà pu tester des modes venant de chez Racing Studios, vous pouvez partir sur une valeur sûre, un peu à l'image d'un jeu développé par Rockstar Games, c'est souvent une réussite. Et bien là, une nouvelle fois, je pense que ce studio-là nous montre à quel point, une fois que le temps est pris pour faire du bon travail, on peut avoir un beau résultat. Alors, je voulais revenir effectivement, sur le FFB et le comportement de la voiture. On sent vraiment qu'elle dépend énormément de son aéro et que si vous rentrez trop vite dans un virage ou que vous perdez le transfert de charge nécessaire pour faire tourner la voiture, eh bien soit c'est du sous-virage et vous partez tout droit, soit c'est du survirage et là, eh bien il vous faut les porter pour remettre la voiture dans l'axe et ça c'est vraiment agréable, c'est que si la voiture glisse, on peut laisser le pied dedans, la récupérer, elle peut revenir, c'est pas d'office perdu quand vous perdez le contrôle. Ici, sachez que je roule avec une IA qui est au niveau 97 et que j'ai en assistance un peu de stabilité comme à mon habitude, mais je n'ai ni ABS, la preuve par l'image, ni traction control. Et c'est vrai que les voitures, si vous voulez débuter en monoplace avec autre chose que la Formula Tatus, qui n'est pas forcément le modèle le plus simple sur Assetto Corsa, ceci pourrait être vraiment la bonne solution pour vous et pour votre apprentissage. Il va rester un tour de cette piste de Brands Hatch. On va se retrouver dans quelques instants. Je vous laisse profiter un petit peu du son de cette voiture en extérieur une nouvelle fois parce que vraiment à regarder c'est très agréable. Maintenant que nous sommes dans le cockpit de cette Formule RSS4, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très vite cet après-midi pour la présentation de la Formula 79 de nouveau de la part de Racing Studio. Une vidéo qui, vous le verrez, sera un peu différente avec un peu plus d'historique bien sûr. Cette monoplace est donc disponible dans la description pour la somme de 3,99€. Si vous aussi vous avez craqué, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut !